Salut à tous. Donc là on sort de la cave aux clés, donjon numéro 3. Et on rencontre le hibou. Voilà. Alors là. Coup de maître. Donc. Oh merde, je l'ai déjà pris le piège. Alors ce qu'on va faire. Là on est pas loin du village, mais on va pas y aller tout de suite. Parce qu'on va se rendre. Attendez que je trouve le chemin. C'est à droite. Ah, je suis un pro de la taxicône. J'ai un truc à gauche avec 50 rubis, hein, mais bon. On va continuer avec la quête des échanges en fait. Voilà, et on va laisser faire Tarquin. Avec la musique qu'on a déjà entendue, enfin, qu'on a entendue plus tard dans Season 8. Dans Season, c'était quand on crée le minerai solide là avec. Le minerai bleu et rouge. Putain, mais il y a encore du son de merde. Attendez. Je baisse le son de mes écouteurs là parce que c'est en train de. J'aime bien la musique, hein, mais là. Voilà. Ouais, et dans Edges, on entendait. Qu'on apprenait le deuxième chant de l'harpe. Oui, le deuxième chant de l'harpe. Parce que l'harpe chante maintenant, toi. Non mais c'est les chants parce que Link est censé chanter en même temps mais bon. On va juste jouer de la harpe en fait. Ouh, l'esquive. Donc là. Hop. Là on va se rendre à la police. C'est pas drôle. Mais attendez, où est-ce que je vais là? Non, c'est pas par là. On va se rendre au village des animaux. Aïe. Censé être des rochers ce qui tire, mais on garde des ampoules dans un cube ou je sais pas quoi. La première fois que j'ai joué au jeu, je trouvais que ça ressemblait à des ampoules dans un cube. Là en haut se trouve la maison en coquillage. Mais voilà. On ira que quand on aura tous les coquillages. On peut y aller avant mais. Avoir des coquillages bonus. Et comme ça j'aurai pas besoin de tout ça récupérer. Je préfère tout, je vous les montrer. De toute façon je ferai une vidéo pour montrer tous les coquillages. Quand j'aurai fini le jeu. Mais là vu que la motivation est revenue, normalement. C'est pas aller. Et là, une sirène, bon ça sera pas qu'un des éléphants, tout ça. Pas par là. Alors. Où faut-il aller? Il faudra aller au village des animaux d'abord. Il est là, à gauche. Pas tant que ça en vivant, sinon. Ah là, c'est là. Donc là, vous voyez. Voilà. Donc là, village des animaux est de l'autre côté de là. Et c'est. Je parle français. Hein. Et en fait, faut détruire l'herbe pour y aller. C'était pas très bien indiqué. Voilà, ouais. Des animaux se trouve ici avec une magnifique musique. Donc là pour reprendre des cœurs de rubis c'est assez sympa.
pour aller directement voir. Bourse pour la quête des échanges. Voilà. On doit une carotte qui est à droite, mais en fait c'est un ananas. Ah, là ça ressemble plus déjà. Voilà. Voilà. Donc là encore il nous dit qu'il faut amener Marine si on veut. Si on veut réveiller l'animal qui bloque l'entrée des ruines. D'une, pas des ruines. N'importe quoi. Donc on va passer par là. Quoi que non, attendez. Ça serait con de passer par là en fait. On va aller par là. J'adore, j'indique la direction avec l'épée, je nique un autre rock en même temps. Quoi là, je vous dis, dans ce truc il y a 50 rubis, mais aucun intérêt quoi. En fait je vais passer par là, parce que comme ça je vais récupérer un coquillage au passage et je serai plus près de Marine. Parce que bon, je vous le cache pas, hein. Enfin du spoil, un truc de fou, j'ai deux oreilles. Je fais non, c'est un petit spoil à la con. C'est que Marine n'avait pas dans le village et sur la plage en fait. C'est pas du spoil. Hein. Bon, après tout dépend de comment vous finissez le spoil. Hein. Pour moi ça n'est pas. En fait, si on va chez elle, on trouve un mot sur la table qui dit qu'elle est à la plage. Voilà. Vous avez vu ce spoil de fou. Donc, on va commencer par retourner là, en bas. On passe par les moblins. Ouais. Alors, tiens. Oh, je me demande si on peut lancer les uns sur les autres. Ça ne marche pas. Voilà, et là on va passer par là. On n'est pas obligé de passer par là, on peut aller direct au village et descendre vers la plage, mais j'ai envie de passer par là. Ah, en fait dès qu'on rentre dans une caverne, ça disparaît le pouvoir ou... Non, je pense que c'est le temps qui est passé. Enfin bon. Là on va faire ça, ça... Ça sert à rien que je garde l'épée, c'est pas grave. Là vous voyez une statue de sirène. Pour l'instant. Alors regardez, je sais pas si vous avez vu, quand on prend le coquillage vers la statue de sirène, là vous allez voir, toc, on voit qu'il y a un passage dessous. C'est énorme. Donc là on va passer par là. On va mettre ça et ça. Merde. Ok. En fait je le fais toujours trop tard, hein. Jamais trop tôt. Une maison qui n'y a rien dedans. Et là on se retrouve sur la plage. Des sables ou pas. Oh tiens, 50, voilà. Ah bon. Et là voilà Marine. Voilà. Et là, scène romantique. Et Link, qui en a rien à foutre. C'est trop excellent. Ben moi, c'est jeter une mouette. Je chierais sur l'œil. Pardon. Je suis en train de gâcher la scène en racontant n'importe quoi. Allez, on va le faire. Je sais pas du tout ce que ça va si on dit non, mais... Le mort c'est la bête qui bloque l'entrée du désert. Alors ça m'éclate.
Fait comme si il avait acquis un objet, quoi. Acquis un objet, putain, ouais, faut que je parle français, là. Acquéri, je dis, putain. Là, on va poser une bombe. Ici. Tiens, un pont. Y'a rien ici. Attendez, c'est pas là qu'il y a le... Je crois que c'était là qu'il y avait la fin de la queue des échelons. Je confonds. Et en fait, avec Marine, il y a plein de trucs à faire. Qui sont pas du tout indispensables. Donc on va les faire quand même. Alors si vous voulez, il y a trois photos qu'il faut absolument faire quand elle est avec nous, sinon on peut plus les avoir après. Donc c'est ces trois photos plus celle du... de la grille du château canulaire, hein, qu'il faut absolument faire. Les autres, on peut les faire n'importe quoi. Voilà. Les 4 c'est qu'ils font un peu long là. Et puis elle dit rien après. T'as mis tes froids. Non mais voilà quoi. Donc ça c'est fait. Et deux autres photos avec elle. Bon, il y a des petits trucs fun dont certains que je ne connaissais pas du tout. Et que m'a dit mon ami Perfect Link. Donc si vous le connaissez pas. Vous connaissez peut-être le groupe Oracle Incorporated, qui fait des doublages français de Final Fantasy IV. Bah voilà, c'est lui. Enfin, c'est eux. Donc allez voir leur vidéo. Je mettrai un lien sur la description. Alors si j'ai oublié de mettre le lien sur la description, mettez-moi des commentaires pour me dire. De toute façon, Perfect Link, hein, je pense que tu t'en rendras compte. Voilà, si on frappe les poules, elle fait des petits commentaires. Là, il y a une photo à faire. Avec Voyou. Avec Toutou. On peut pas la faire quand il y a Marine ou quoi? Ou alors, j'ai déjà fait, peut-être. Ouais, c'est possible que j'ai déjà fait dans un précédent vidéo, je m'en rappelle plus. Donc, on a déjà fait deux photos. Et la troisième. C'est celle-là. Comment ça incruste? A la fin, quand j'aurai toutes les photos, je vous les montrerai sur l'album. Mais pas tout de suite. Là, j'ai racheté des bombes quand même. Rien, donc. Vous avez vu, si on a à la fois les bottes de Pégase et l'épée, on fonce avec l'épée en avant comme ça. Coupé. Alors là, si on fait le jeu du magasin avec Marine, ça c'est un truc que m'a dit Perfect Link justement. Et là elle va tenter le jeu. Ça c'est un truc que je savais pas. Excellent. Ce qui est énorme, c'est qu'elle l'amène sur le tapis et tout. On veut pas trop ici, c'est un peu je veux garder mon fric quoi. Enfin bon.
Et là, on va aller chercher un objet. Ici. Donc ça, on peut le faire. Logiquement, on peut le faire à partir du moment où on a le... C'est vraiment génial l'ambiance là-dedans. Et là, on se retrouve dans un rêve. Et puis quand on connaît le jeu, c'est marrant qu'on se retrouve dans un rêve dans ce jeu-là. Enfin bon. Je vais pas spoiler, mais... C'est un peu pas logique. Alors eux, ils font putain d'hyper mal en fait. Voilà. Ah, je pensais d'aller frapper. Merde. Oh. Vous avez vu qu'ils font mal. Et là on obtient 100 rubis, ouais. Non mais c'était pas pour ça, hein, c'est pas. Il y a autre chose bien sûr. Donc là faut absolument avoir les bottes pour le faire. C'est pour ça que je suis pas venu avant. Et on obtient l'ocarina. Ce n'est pas l'ocarina du temps, c'est un ocarina qui joue de la musique pour nous détendre. Non, ça sert pas à ça, mais on verra après. On peut déjà en jouer de l'ocarina, sauf que comme on n'a pas de musique, ça fait ça. Et là, Marine se fout notre gueule. Excellent. Donc les trois photos je vous les ai montrées, le jeu, ouais. Bah c'est tout, hein. Ouais, ouais. Y'a rien d'autre normalement. Bon bah là on va... On fait du poulet au KFC. Vous avez fait. Donc on va... aller au village des animaux. On va prendre le téléporteur, ça va plus vite. Oh, plus tard elle sera là, Marine, en train de jouer de la musique avec tous les animaux qui viendront la voir. Ça fait un peu comme Nairo dans attendez, alors là je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y a un truc ici. Non je sais pas. Ah ça, je savais pas qu'elle disait ça quand on creuse elle nous... Donc voilà, l'animal a réveillé le morse, mais on va d'abord faire un truc, une chose précise. Putain, mais pourquoi la musique déconne comme ça? Je sais pas si vous l'entendez comme ça, mais ça me saoule, hein, c'est pas ça. Genre. Ça, c'est Windows Vista, ça. De toute façon, c'est la faute à... Genre, je bouge, c'est tout. Bon. J'aurais été de dire de la merde. Et là, on a un cœur de cœur. Alors, attention, parce que la dernière fois que j'ai enregistré la vidéo, il m'est arrivé un truc de dingue, là. Elle est tombée. Non! Mais jambon, putain. Ouh là là, mais barbecue là. Ah putain! Non! Je vais pas crever ici. Non! La fin de vidéo à la con, quoi. Saloperie. Vous pouvez vous moquer. Hein. On fout. Je m'entends pas. Mais putain, je l'ai déjà atteint ce truc. Pardon. Mais... Oh! Putain, je crois que je vais devoir utiliser le poulet. Hein. Mais putain! Il me casse les... Saloperie. Putain, mais le truc, c'est que je suis certain qu'on peut l'atteindre. Hein. En plus, je voulais vous montrer un truc hyper important, là. Ça fait chier. Mais putain, quel con, j'ai utilisé mes deux mains pour les toucher du coup. Non, mais vas-y, fonce dans le trou, vas-y, mais putain, mais connard. Pardon. Je crois que je vais couper la vidéo là. Je compterai le nombre de tentatives si vous voulez, je vous les mettrai.
Ça devrait pas dépasser la santé. Hein. Non mais là ça va pas le faire là, si je peux même pas obtenir mon quart de cœur là. Oh. Ah non mais c'est chiant là. Oui c'est moi qui suis nul alors. Putain mais pourquoi il atteint pas le truc là? Non, mais vas-y mais tape-toi le mur aussi. Je vous jure la dernière fois que j'ai fait la vidéo j'ai réussi du 4ème coup je crois. Ou 5ème. Non mais même pas en plus hein. Je crois qu'au bout du 3ème coup c'était bon quoi. Non mais là ça me saoule là. Mais putain! Attendez. Je vais bien me mettre là. Parce que là je suis à moitié le cul à moitié sur la chaise. Putain. Mais pute! Merde, bite. Non mais bite. J'avoue que c'est pas passionnant. Mais... Oh! Mais qu'est-ce que je fous là? Non! Saute! Connard. Ah! Et je vais devenir fou. Mais non, mais... Oh, mais blaireau. Putain, mais c'est pas possible. Je vous jure que je vais y arriver. Mais, bon, je la ferme. Je vais le louper, je vais le louper. Merde, ça marche pas. Ah, mais putain. Oh. Je vais niquer, là. Pardon. Putain. 2 minutes de merde quoi. Donc là il y a des chauves-souris. Ah me venge pas chauves-souris. Et là en fait la dernière fois que je fais la vidéo il me restait plus de bombes quand j'ai sauté. Donc là je pouvais plus retourner en arrière. Et là je pouvais pas passer donc j'étais bloqué ici en fait. Voilà. Attendez. Esquive. Wow. J'aurais eu l'air con. Hein. Bon, on va continuer et finir la vidéo. Non, on va dire que vous avez rien vu. Putain, c'est presque autant minable qu'avec le boomerang dans les autres du jeu. Oui. C'est comme ça qu'elle fait peur aux gens. Ça sort en Story X ou quoi? Et ça, ce qu'elle joue, c'est la balade du poisson, justement. Genre, trop la gueule du mince. C'est la tectonique ou quoi? Non mais... N'importe quoi! Mais c'est bâtard, le pauvre. Je suis en retard. Le lapin qui réveille. Voilà, bah écoutez, et là, on arrive... au désert. Attends, on va passer un peu de tête de mort. Voilà, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bon, là, c'était une vidéo, il s'est pas passé grand chose, mais c'était fun, voilà. Mais de toute façon, je suis meilleur. Bon, ben voilà, à plus, et manger des fruits, c'est bon pour la santé, salut.